Qu'est-ce que tu feras toi plus tard? Moi je ferai ça. Et toi? Moi je ferai ça. Et toi? Moi je ferai ça. Et toi? Moi j'ai envie de faire ça. Et toi? Moi j'ai envie de faire ça mais j'ose pas. Bah essaye. Oui mais j'ose pas. Essaye. Oui mais je fais... Essaye. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Alors essaye. Et puis, si on se tenait rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas, on verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des concerts. Le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, et si, je fais des détours dans le quartier. Crépuscule de printemps, appelle le même crépuscule qu'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. La dernière ligne droite de la rue Suffiot, commencerons-là. Quand on meurt à 30 ans, j'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient. Rend-il à la surface de temps en temps? J'ambitionnais simplement être dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Emile. On s'est formidables, mes copains. On s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table. Quand mon état c'est le trop scrap. Dans la vitrine je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai. Si c'est à droite, attendez-moi. 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 C'était dit, rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même heure. On verra quand on aura 30 ans si on est devenu des grands hommes.